à travailler à Amazon. Non mais qui? J'en veux plus quoi. Ça casse mes journées. Je me réveille les 4h, je rentre à midi. Au lieu de continuer ma journée, bah non, je dors parce que qui va continuer sa journée? Bon, j'ai fait mes déjà continuer. En tout cas, ils sont mes lunettes. Le combat de ma vie, toujours je trouvais mes lunettes. Eh, ça n'est moi. Salut les filles, salut les garçons, salut les hommes. 3, 2. Aujourd'hui, on se retrouve dans mon lit. Franchement, j'aime bien ce cadre. Parce que mon lit est enfin beau. Bon, si vous avez vu la transformation de mon lit, etc. Attendez, je vais remettre. La présentation de ma chambre, comment j'ai fait ma chambre, etc. Bon, vous êtes déjà au courant. Du coup, là, aujourd'hui, on se retrouve pour un Get Ready With Me. Ça fait trop longtemps que je n'ai pas fait de Get Ready With Me, en vrai, les vrais. Genre, ça fait vraiment longtemps. Close your eyes to get away. Bang my line and I'll arrange it. Beautiful girl, you're stainless. You'll be fine. L'est fait. Maintenant, je suis comme ça. Hein. J'ai grandi. Je me réveille. Faut que ma chambre soit toujours faite. Faut que ma chambre soit toujours propre. Bref. On n'est pas le blog parce que si vous avez suivi le blog, vous savez pourquoi je fais tout ça. Aujourd'hui, le thème, on va sortir entre copines. Ok, je vais sortir avec mes copines, sachant que c'est mes copines que je connais depuis le collège. Donc, ça fait plus de 12 ans, 10 ans, en tout cas plus de 10 ans sûr qu'on se connaît. Et chacun a fait un peu son chemin dans sa vie, on s'est retrouvés. Et puis voilà, on va aller au restaurant, on va aller se faire plaisir. Il est actuellement 16h13. Hope vient me chercher à 18h50, donc je m'y prends un peu plus à l'avance parce que je dois tout refaire. Quand je me dis que je dois tout refaire, c'est-à-dire que je dois tout refaire, je dois faire un gommage de ma peau. Parce que ma peau, quand je me dis qu'elle est dégueulasse, c'est-à-dire que moi je vais au travail. C'est à peine je me lave, je me purge, je me recycle, je me casse. Il n'y a pas de vas-y, soin, il n'y a rien, il n'y a absolument rien. Je dois couler ma perruque, je dois me maquiller correctement, bien, parce que ça fait aussi super longtemps que je ne me suis pas vraiment maquillée, quoi. Genre... On peut pas accepter ça. Ouais, écoute, non, j'arrive même pas à parler le mot de la France de mon lire parce que je n'arrive même pas à parler en fait. Genre, ça fait trop longtemps que j'ai pas pris soin de moi. Je me réveille à 4h du matin. Partout, clair, leur bouchon, tire-bouchon là. Je me réveille à 4h du matin. Je finis à midi, je suis décalée, je fais que dormir. J'ai même pas le temps de filmer, j'ai le temps de rien faire. Donc, du coup, là, j'ai dit c'est bon. On stoppe tout. Première étape, les vêtements. L'endroit où on va, ça s'appelle la suite Rolka. Je pense que. La plupart connaissent un restaurant bien chic. Donc je m'habille bien chic. Mais je ne sais pas. Soit je mets I don't know, je sais pas. En fait je vais partir sur un cargo avec un petit corset et des petits talons. Ça peut le faire. Je vais pas vous faire montrer ce qui se cache à l'intérieur. Parce que même si on a dit Mérite était naturel, oui je suis très naturelle avec vous. Faut pas abuser. Faut pas abuser, je vous fais juste montrer les vêtements. Première tenue. On peut partir sur ce pantalon. De toute façon, celles et ceux les vrais qui ont suivi le haul Shein, vous reconnaîtrez les vêtements. Mais je mettrai quand même en barre d'infos si vous voulez. On part sous ce cargo là. Genre le cargo que j'ai mis bah, dans mon haul. Avec ce petit corset vert. Un petit total vert. Ce petit cargo. Ça donne, hein. Franchement ça donne. J'aime beaucoup. Il y a ce top là que vous avez aussi vu bah, dans mon haul hein. Franchement tout Shein hein, ça change pas. Mais ça je peux mettre ça avec quel pantalon? Un pantalon cargo tu penses? Ça donne aussi hein. Franchement ça donne aussi avec une paire de talons. Mais le problème avec ce pantalon là c'est qu'il est trop il est trop taille basse. Tu vois. On va partir sous cette tenue là. Je crois qu'on va partir sur cette tenue là. On a choisi la tenue. On passe aux chaussures. Les dorées? Non. Non. Les dorées. J'aimerais trop que ce soit instantané que vous pourriez voter parce que là, bah, je veux déjà faire le montage quoi. Nous avons celle-ci. Mais ça passe de ouf. Mais ça passe vraiment de ouf. Tell me what you see in me. Tenue complète fait, j'ai mes bijoux, j'ai mon sac, j'ai mon parfum, j'ai tout. Il manquera plus que la pépée, mais bon, la pépée, on fera ça après. Là, on va passer au gommage, au visage, au corps, à l'épilation des sourcils.
à tout ça. Parce que là, c'est plus possible en fait. Plus possible du tout. Oh, on se retrouve dans ma salle de bain là. Vous avez l'habitude de ma salle de bain parce que c'est là où je me prépare. Et maintenant que j'ai une chambre fonctionnelle, je vais commencer à me préparer dans ma chambre. Parce que sinon, on va commencer à crier et tout. On est fatigué. On va passer au soin de la peau. On va passer à. Vous comprenez? Ce qu'on va commencer par faire, je vais mettre ma cire. Enfin, c'est pas une cire, ça, je veux le quoi. C'est une crème épilatoire. C'est que c'était pas trop bien, etc. Mais moi, je vous jure que pour les aisselles, j'accepte la cire. Mais autre part, là, je vais venir tracer mes sourcils en fait avec un pinceau plat. En fait, juste enlever l'excédent d'en bas là. Parce que là, hop, pas sur mes cils. Là, c'est la catastrophe. Ça c'est fait. Là on va passer au gommage du visage. La base du visage, je sais pas si vous pouvez voir. Genre là je mets comme ça pour que vous voyez comment ma peau est dégueulasse. Genre ma peau est dégueulasse. Je vais prendre mon savon Avène. Bon ça vous avez l'habitude de... Vous avez l'habitude hein. Savon Avène. Et je vais venir d'abord avec mon gant exfoliant comme toujours, ça ne change pas. Nettoyer tout ça. On va tout nettoyer. Bien dégraisser tout ça et après on partira dans les profondeurs. Je me suis lavée, j'ai mis ma crème tout. Là, il est déjà 17h10. Ça va, je suis dans les temps. On a choisi les habits, on a fait sa skincare, on s'est bien lavé. Là, on va passer du coup à la transformation. Logique. On va mettre la paix et pas n'importe quelle paix. La perruque que je vais mettre aujourd'hui mais vient de chez ICR pour pas changer. ICR, la meilleure compagnie. Non, je parle sur l'une des meilleures compagnies parce que Yolissa. À l'intérieur, tu reçois ta petite huile comme ceci. Des fois, c'est bien sexy, bien violent. Très joli, franchement. J'aime trop les fossiles de chez ICR. Wig cap comme ceci. La petite pancarte ICR. Ok, un wig. Oula. C'est trop une satisfaction pour moi d'ouvrir des nouvelles wigs. Voici la wig, comment elle se présente. ICR, ouf. Bien body wave. Bien 26 pouces. Ouf. 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 Est-ce qu'on a besoin de parler? En vrai. Je vais un peu plug les mèches devant. Du moins, je vais essayer de faire ce que je peux. Hein. Et après, on va la poser. J'ai fini ma coiffure. Je pense que je change de perruque après. Et pour l'instant, je vais mettre celle-ci. On va passer au make-up. Et comme je vous ai dit, on va faire un make-up Estrangia la ganja de la ganza. On va tout changer. Tout. On va se transformer. Bon, les gars, on n'est pas sur un tuto make-up. Hein, mais je vais vous montrer vite fait les petits produits que j'utilise. Sachant que j'ai utilisé des nouveaux produits. Mais je crois que je vous ai déjà fait montrer les nouveaux produits que j'utilise. Plus de make-up manager, les gars. Faut que j'achète. Oh mon dieu, mon fixateur
de chez Biphase. Ça va vite trouver ça, je me suis pas maquillée les gars. Je crois que vous rendez pas compte. Là je me tartinais le visage. Je me tartinais le visage. Bouloba bouloba. Eh bouloba bouloba, c'est pas mon problème. Première étape, les sourcils. Donc moi franchement mes sourcils là vous avez vu j'ai dépilé. J'irai juste assurer avec mes crayons. Et c'est fini quoi. Ça c'est trop bien. She don't agree with him. She's mad at that. He's not having that. So those opposites attract like magnets. She sees more than the Benz wagon. The friends tagging along. The flashy nigga bragging on the song. Je vais venir mettre mon fond de teint Fenty Beauty. Ça change pas. Je trouve ce fond de teint, mais j'ai envie de changer. Donc dites-moi en commentaire quel est votre meilleur fond de teint. J'ai envie d'essayer le Nars. On m'a dit que le Dior aussi il était pas mal. Du coup je sais pas. J'hésite. Par contre les prix des fonds de teint mon pote. Les prix des fonds de teint. Non, non. Ensuite, on va passer au concealer. Moi, mes meilleurs concealers du monde de la vie, Born This Way de chez Too Faced. Donc, je vais d'abord utiliser comme base le Warm Sand. Ensuite, je vais venir utiliser le Warm Beige mélangé avec le anti-âge de chez Maybelline qui est très très bien aussi. Donc si ça c'est trop cher pour vous parce que 30€ moi même ça me fait mal à la crâne, vous pouvez utiliser celui-là, c'est un bon dupe, il est vraiment super bien. Everybody's like, he's no item. Please don't like him. He don't wipe him. He one night some. Comme moi, je suis une grosse forceuse et que j'aime le clair. Je vais venir rajouter du concealer bien clair. Ah ouais. T'es folle ou quoi? Dès ce soir. Tu es trop de couche. Hein. Je m'en fous. This is not my problem. Mérite, je suis choquée. Oh, ouais. Voilà quoi ça. Ah. T'es folle ou quoi? Ça fait bien clair. Tu mets à mort comme ça. Oui, c'est bon. Ensuite, je prends mon bronzer de chez Fenty Crème. You gotta throw in your fine linens for this one. Meilleur poudre les gars, j'ai testé la Fenty, j'ai aimé. J'ai testé la Huda, j'ai aimé. Mais j'ai testé la Laura Mercier, j'ai surkiffé, j'ai aimé, j'ai trop kiffé. Franchement, Laura Mercier. Bon, elle est tellement chère que j'ai pris le format mini, parce que déjà le format mini coûte déjà 30€. Ah ouais. Donc ceux qui ont suivi le vlog Dubaï, vous avez déjà vu. Mais du coup, j'utilise tout le temps depuis Dubaï. Et j'aime trop. Ma sœur. Meilleur bronzer, Too Faced. Enfin, Mocha Mami. Genre, vraiment. Meilleur bronzer. Donc là, je tartine. Du coup, je vais utiliser sur mon concealer pour que c'est encore bien plus clair. Je suis vraiment la folle. Ma poudre jeune, de base c'est un blush, mais moi j'utilise comme ça, tu vois, et tu fais comme ça en dessous. Comme ça, ça va bien illuminer. Voilà. On a dit c'est la full face, maman. Eh, vous savez, c'est un commentaire, je me suis pas maquée. Tu es fou. Je vais venir prendre mon blush qui vient de chez Black Up. Le highlight il s'est cassé, j'ai la rage, mais c'est pas grave. Du moins que le blush ne se casse pas. Meilleur blush, franchement. Pour all my black girls, vous savez que le orange sur les noirs c'est important, c'est essentiel. Donc n'hésite pas, allez vous le procurer, moi j'aime trop. On va passer aux lèvres. Ah, je connais plus. Ah, je connais plus les filles. Ah. Putain, je dois les racheter. Regardez comme il est tout fin. Meilleur crayon Kiko 321, j'aime trop. Je fais le contour de mes lèvres. Allez. Putain, mais il ne veut pas écrire. Il ne veut pas écrire. Ensuite, je viens prendre mon rouge à lèvres de chez NYX en teinte pile mode. Ah non, en teinte à la mode.
franchement, vous prenez juste un rouge à lèvres nude, quoi. Je vais me tapoter au milieu. J'ai utilisé mes deux gloss. Donc, il y a celui de chez Brianna Shine Cosmetic et le Kiko. Voilà, le make-up est terminé. Je me retrouve. I'm feeling myself. Wow, j'ai donné le temps. All of her phrases. Either she the one or I'm caught in the matrix. Who fuck it, let the bitch burn. Red or green pill. You live and you learn. Come on. You gotta throw in your 5 minutes for this one. J'aime pas quelle musique tu as mis, tu fais genre. Ouais, je sais pas. Petit top de chez Shein. Mon petit cargo également de chez Shein. J'ai mis mes bijoux, donc ma petite montre comme ceci. Comme ceci. Oh, je suis trop fraîche. Allons mettre du parfum. Tu l'as fait, tu l'as fait tomber? Non, il n'y a plus. Pourquoi on fait ça, Ketia? Je ne veux pas faire ça. Oh my god. Voilà. Petite paire. Vous allez voir en photo parce que je vais faire des photos. Mais bon, qu'est-ce que vous en pensez de mon look final? Ah, c'est à nous. C'est à nous que tu sais. Oui, mais c'est à nous. Non, mais si, réponds. Ah, je suis gênée, wesh. T'es le pas d'un point, même si tu fais. Bonne étoile. On doit même faire attention à mon look final. Moi, j'aime bien, il est beau. Ouais, c'est très Instagrammable. Ouais, tu coco. Kéka, t'en penses quoi? C'est cool. Bref, du coup, voilà les filles, les garçons et les entre-deux. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère pouvoir faire des photos de Taros, parce que sinon ça va m'énerver. Essentiel à ramener quand on sort. Non, mais dis pas que c'est déchargé, parce que j'ai pas le temps de charger. Ok, bah trop bien, tu vas la charger. Tu vois sur la set de hoop, celle-ci est essentielle quand vous... Ouais. T'as la tienne, tu me prends la tienne? Non, je suis pas. Arrête de faire la meuf qui tient. Toutes les fois je t'ai prêté. Bref. Pardon. Tu m'as jamais prêté. Comment tu t'es prêté? Tu m'as jamais réduit. Ketia, t'es égoïste comme ça. Tu m'as jamais prêté. Bref, je crois que c'est une question, mais achetez cette petite lumière là pour faire vos photos dehors. C'est trop bien. Elle est trop bien. C'est trop bien. Et puis la lumière est bien. Voilà les filles, les garçons et les entre-deux. Cette petite vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous laisse tous les liens des vêtements de la PPHCR. Encore une fois. En barre d'informations. Et puis voilà, moi je fais plein de gros bisous. Je suis déjà prête pour une nouvelle vidéo.